bon rappel. Oui, Daniel, les bonnes 113, justement, je t'attendais. Là, j'ai écouté la vite fait la QSO, là, beaucoup plus bas, là, je sais plus, là, sur les canaux, là, en bas. Puis je suis vite remonté parce que je m'attendais que tu appelles de suite, là. Ah, tu sais ce qu'on dit, dans le cochon tout est bon. En plus du sanglier, on en a mangé le week-end dernier, enfin pas là mais l'autre d'avant. Là c'est ouais, ça peut le faire. Ah oui, non, mais là ça n'aurait pas fait vrai, parce que la voiture, je pense que la voiture aurait dévissé, parce qu'à la vitesse où il arrivait, et en plus il arrivait de la droite, il sortait de la piste cyclable, c'est pas trop loin de la maison, là, il faut monter vers le centre de... Oh, c'est sympa de faire des rencontres comme ça, ça change, ça, allez, je vais le dire en déconnant, ça casse la monotonie. C'est vrai que ça passe tellement vite. Enfin, 15 jours, une semaine et demie, tu veux dire, non? Non, quand même pas 15 jours. Oui, ben voilà, on est quoi? On doit être... On est mardi matin. Voilà, c'est ça. Oui, affirmatif, oui, je vois, oui. Attends, j'ai un petit peu de mal à te sortir là. Là, tu dois être à un endroit, tu dois approcher de Martignac, je pense, ou je sais pas trop. Là, tu dois être dans les endroits où là, c'est assez lamentable. Peux-tu passer sur le canal 27 en uniforme Sierra Bravo? Le 27 en uniforme Sierra Bravo. Ok, ouais, n'importe quoi. Voilà, non, je m'étais arrêté trop tôt. Mais voilà, ça y est, je suis là. Ok, c'est bon pour moi.
Attention Daniel pour Dandy 33 qui t'appelle. Ouais, attention Daniel, tu es là? Attention Daniel pour Dandy 33 qui t'appelle. Ah, la route a été longue, un chi trois coups. Ah ouais, non, mais je comprends pas pourquoi là, il se... J'étais dans la mémoire, là. Je voulais monter sur le 275, mais ben, prenez l'uniforme qui est en bas, et puis il se mettait directement sur le triple C. J'ai pas compris pourquoi, j'en sais rien. Ok, ben j'y suis tout dispo, moi, les mémoires. C'est... Non, c'est vrai que... Puis en plus de ça, là, sur cette partie-là, je me mets comme si... Enfin, oui, comme sur un poste de CV. Hein. La lettre D, affichage des canaux direct. Hein. Là, ça m'est plus pratique quand je suis sur cette portion-là, quoi. Oui, affirmatif. Alors, il y a une carte qui a l'air d'être un petit peu plus fiable que les autres, là, qui a été mise là, dernièrement. Et effectivement, là, on commencerait à remonter un peu là, au niveau propagation. Donc là, là, d'ici le printemps, ça devrait être... Je dis ça, mais là, on y arrive. Ça devrait être bon, là. Le printemps, été, là, ça devrait être bon. En plus de ça, pendant que j'y pense, à partir de le week-end prochain, je crois, samedi prochain, on doit être le 23, je crois, ou quelque chose comme ça. À partir de samedi prochain, le groupe KiloMike est en activation jusqu'au 31. Donc, de samedi prochain jusqu'au 31, c'est l'activation groupe KiloMike. Alors, bien entendu, pour ceux qui peuvent, hein, ben, pardi. Moi, ce week-end, ben, ça sera négatif, puisque je suis au pro. Je verrai ça, là, après, là, dans la semaine. Enfin, bon, je vais voir comment je vais jongler, là, à ce niveau-là, quoi. Là, c'est... mais bon, je compte bien faire quelque chose. Je compte bien accrocher la remorque derrière la voiture, charger... Il faut que je fasse la vidange du groupe électrogène, c'est vrai. Charger mon petit groupe et, je sais pas, partir quelque part et puis voir ce que ça donne, si ça veut bien le faire. Ah oui, oui, oui. Ben, encore toi, ça va, parce que t'as des hauteurs là-bas. C'est vrai que toi, tu as des hauteurs, donc ça peut être intéressant pour toi. Oui, j'ai vu ça, là, qu'ils étaient en activation. Mais écoute, je sais pas, il faudrait que j'essaie de voir, de mettre le poste dans le chef de radio, là, pour essayer de voir si j'arrive à les entendre éventuellement. Parce que j'ai toujours pas trouvé le temps, là, d'aller chez Christophe, là, pour lui amener le T50, là, donc il faudrait toujours voir. Oui, voilà, c'est une connerie qui vient de me passer en tête. C'est en libre service, chi trois coups. Autrement, alors attends, j'ai pas ça sous les yeux.
la fréquence moniteur de Kilomac, si je me trompe pas, c'est le canal 32 normal. Je sais plus. Il faudrait que je vérifie, là, que je rate ça sur le forum. Mais c'est autour de ça, en tout cas, là, je sais plus trop. Ouais. Enfin bon, le choix d'une fréquence sur les 40 canaux normaux, c'est pour le côté officiel. Hein. Voilà. C'est comme, c'est pareil, je sais plus quel club mondial a choisi, par exemple, le canal 27 comme leur fréquence moniteur. Je dois avoir ça quelque part sur le forum, leur article là-dessus, quelque part sur le forum. Faudrait que je regarde ça. Mais bon, ça, à chaque fois, c'est pareil. Hein, c'est pour le côté officiel. Mais après, bon, en fréquence, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Hein. Ouais, affirmatif. Ouais, mais bon, tu sais, hein, quand tu lances un appel, par exemple, sur le 555, c'est chiant de cavaler aussi loin pour attraper la fréquence moniteur. Donc c'est pour ça, je te dis, après, chacun voit comme il peut. Parce que bon, c'est clair que là, dès que je vais pouvoir le faire, je compte plus aller du côté de la flotte, toi, du côté de l'océan pour le faire. Mais bon, là, dès que je pourrais le faire, je vais pas cavaler aussi loin pour faire un QSY. Les gens, les stations ne suivront pas du tout. C'est c'est aller droit dans le mur, c'est clair. Hein. Donc ça sera dans les environs de 27-400 et quelques, 27-500 et quelques. Ça sera dans ces environs-là, quoi. Voilà. Hein. Ouais, bien sûr, mais tu sais, hein, les habitudes des gens, tu les changes pas comme ça. Hein. Si les gens ont décrété de ne pas faire comme ça, nous derrière, on aura beau gesticuler des bras, ça suivra pas pour autant. Hein. Ok, de toute façon, les appels, oui, c'est sur le 555, hein. Et puis après QSY, sur une fréquence libre, tout simplement, hein. On fait simple, et puis voilà. Bon, en tout cas, vite fait, avant que tu QRTes et que je prenne la route, tous les jours, là, en ce moment, là, je regarde, là, sur le site, là, du REV 17, là, pour, en train, là, pour guetter la mise en ligne, des formulaires d'inscription là pour Marraine. Hein. Donc dès que j'ai ça, je passe une annonce là sur partout, sur le forum, sur les blogs, sur le réseau MeWe, sur Facebook. Là je passerai l'annonce partout là, dès que j'attrape un formulaire d'inscription là pour Marraine. Hein. Et moi là, je vais me rappeler.
Allez, on se sent prêt à venir, encore merci. Et puis, donc, qu'est-ce que tu reprends là, demain ou tu reprends demain là? Attends, je vais t'énerver un petit peu sur le coup. Je reprends maintenant samedi prochain. Ok, voilà, je viens de redémarrer. Voilà, je suis en train de longer là, les bassins, les quais de bassins. Ok, bah de toute façon, oui, comme je disais tout à l'heure, pour l'activation, c'est appel sur 555 et puis après, bah, dégagement là où c'est libre. Hein. Allez, bonne journée à toi et merci pour ce petit QSO. J'espère que tout est dans la boîte. Ah, je confirme, et là ça continue encore là en ce moment même. Ok, ça marche, bonne journée à toi. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention Speedfighter pour Dandy 33 qui t'appelle. Alors, ça déconne pas. C'est que j'étais dans un endroit, il n'y avait pas de QRM. Ha 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 ha
fourgonnette Pantin T33 qui t'appelle. Enculé, alors. Aïe.